Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un honneur pour moi de vous accueillir ce soir pour fêter les 20 ans de sport dans la ville. On m'a demandé gentiment de venir faire quelques animations et de présenter notre maître de cérémonie et de jouer une petite impro. Évidemment, ça donne du sens en plus à ce que je fais, donc c'est génial. J'ai accepté cette invitation parce que ça avait l'air important pour ces jeunes et que j'ai passé un bon moment. Sport dans la ville, sport, ville, ça me va. Je vais y aller, je vais essayer de donner du cœur, de l'amour et puis on verra qui reçoit. Et on bloque, dernière fois. Et on bloque, merci. On sort juste de concert, on s'est régalé. J'aime plus Paris. Non mais on se ment pour qui. Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme Lennon. Je parle pas de job. Une expérience super. Et vraiment, il y avait de très bonnes vibrations. Il y a plein de gens qui étaient impressionnés parce qu'être sur la scène de l'Olympia, c'est quand même pas rien. Mais ils ont tous été très bons. Ils ont tous fait des performances superbes. Les petites avant le début, là, elles étaient terrorisées, les pauvres, mais elles ont été impeccables. Ok les filles, comment ça va? Ça a été? Ouais, j'ai adoré. Ah, l'Olympia, une grande première. Ouais. Et sinon, si c'était à refaire? Maintenant? Ouais. Chifrère deviendra un roi, princesse deviendra une reine. Ouais, l'important c'est que tu y crois. C'était fabuleux. Moi, j'ai été bluffée par les jeunes danseuses et danseurs parce que j'ai vu qu'il y avait des garçons quand même aussi, enfin en tout cas un que je connais bien parce qu'il a fait un stage chez nous. Et j'ai trouvé cette énergie et leur professionnalisme absolument impeccable. Et de manière générale, la soirée était fantastique. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir l'enthousiasme tant des professionnels qui participaient que l'enthousiasme des danseurs, des improvisateurs qu'on a vus. Voilà, on sentait qu'il y avait une véritable émulation entre la jeune génération et l'ancienne. Et c'était, je trouve, un moment très fort de la soirée. Ça fait 20 ans que la Société Générale soutient l'association. Moi-même, ça fait 10 ans. Comme j'ai eu l'occasion de le dire sur scène, d'abord, pour moi, c'est des gens exceptionnels. On n'en rencontre pas beaucoup. Et avec un projet exceptionnel. Et quelque part, donc, on a envie de les soutenir. On est très contents, en tout cas, nous, Total, d'avoir participé à ces actions de sport dans la ville. Parce que ça nous paraît très proche du territoire, très proche des jeunes qui cherchent à se retrouver dans autre chose. Et c'est vraiment ce que l'on recherche à soutenir, quoi. C'est vraiment très beau de voir toutes les vies qui peuvent être transformées, puis les chemins qui se tracent. C'était un moment assez exceptionnel, qui nous a fait chaud au cœur et puis qui nous a surtout donné envie de continuer sans relâche. Pour les jeunes de l'association, il y a un travail immense encore à effectuer, à accomplir. On va se retrousser les manches et puis on va continuer tous ensemble parce que nos jeunes le méritent bien. J'ai 18 montres, je me rends plus compte. La même bête qui monte quand t'es pas là. Je n'existe pas comme un martien sans secoupe, comme un coiffeur sans escoupe, comme un pâté sans sa coupe. Vous pouvez vous lever peut-être, non? Da 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 da